à tous. Je suis en train de préparer un gâteau à la pâte d'amande. J'adore la pâte d'amande et beaucoup de mes amis aussi. Et je ne sais pas pourquoi, j'en avais envie. Donc là, c'est un gâteau vraiment express parce que vous allez voir, je vais mettre le tout dans le bol mixeur, mixer et au four. Voilà, tout bêtement. Et on va faire des petits carrés à la pâte d'amande et au citron. Donc pour ça, j'utilise 2 citrons que je zeste. Voilà. Hop. Je vais prendre du jus de citron, pas beaucoup. Ensuite, on va casser 3 œufs. Une. Deux. Et 3. Des œufs de poule, évidemment. Et bio. Ensuite, je vais mettre 125 g de pâte d'amande blanche. 250 g de beurre fondu. Eh oui, il y a du beurre. Et il faut du sucre roux et de la farine. Voilà les amis, c'est fini. On met le chapeau et on mixe. C'est parti. Oups, j'ai oublié un peu de vanille. Allez, un peu de vanille, hop. Ah oh ben, même tout le pot. J'ai mis tout le pot de vanille, c'est pas grave, j'adore ça. Le moule, il fait 20 par 20. Alors vous pouvez le faire en rond, hein, si vous voulez, en carré, en triangle. Moi, je m'en fiche, hein, vous faites comme vous voulez. Le mien est en carré. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et ça va cuire 30 minutes. Et c'est très très bon, avec un petit thé ou un café. A tout de suite. Voilà, le gâteau est sorti, refroidi et coupé en carré. C'est parfait encore pour votre thé ou votre café lors du goûter ou au petit déjeuner. Et pour finir, la fée des papilles donne un petit coup de baguette magique. Un peu de sucre glace par-dessus le gâteau pour faire joli. Ce gâteau est surtout pas à mettre au frais, laissé à température ambiante. Et je vous dis bon appétit. Et attention, si je peux le faire, vous pouvez le faire.